Et salut tout le monde pour cette petite session. Oui, je fais souvent ça, j'aime bien m'étirer juste avant mes streams. Pour cette petite session donc sur l'univers de Fox Go Server. Donc le plus gros, je pense, le plus gros serveur de jeux de Go qui existe au monde, avec une trentaine de milliers de participants et de joueurs et joueuses sur ce serveur. C'est vraiment l'un des plus gros et plus balèzes trucs qui existent. Malheureusement, pas entièrement traduit en anglais ou en français ou en espagnol d'ailleurs. Malheureusement, pas traduit dans toutes les langues que l'on peut pratiquer. Donc, je vais baisser un chouille la musique. Voilà, pour qu'on s'empiète un chouille à moi sur la voix. Tac. Et donc, bienvenue à tout le monde sur ce petit Twitch qui va traiter de Fox Go Server. Donc, je vais commencer dans un premier temps sur le site qui va être assez rapide parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses écrites en chinois. Je ne parle pas chinois. De fait, ça va être un petit peu compliqué de vous développer tout ce qu'il y a sur le site et j'avoue que j'ai... De toute façon, c'est le serveur qui nous intéresse. Même s'il y a probablement énormément de ressources. Les ressources principales, voilà, se situent sur la droite avec les petits QR codes. Que je vous expliquerai tout de suite. Ou le petit lien d'ailleurs. Et ensuite, on fera le point sur le serveur, un petit peu comme OGS et Color Go Server que nous avons déjà vu. Donc la page d'accueil, les parties, et puis ensuite les reviews. Voilà, c'est le principal. Il y a plein de petites choses comme demander à un maître, comme demander ses avantages pour aller un petit peu plus loin sur le serveur. Il y a plein de trucs, mais voilà, faut biter un peu le chinois. Mais sinon, de toute façon, si on veut juste jouer... pratiquer, il n'y a pas grand chose à savoir en soi, c'est installer le truc, savoir comment cliquer sur un bouton, c'est pas très compliqué. Voilà, donc on va développer ça un petit peu sur ce Twitch, faudra juste que je rajoute une petite chose que je n'ai pas eu l'occasion de faire malheureusement, je suis arrivé il y a peu de temps chez moi, voilà. Il faudra que je fasse une petite capture d'écran afin d'avoir... Ouais, ça vous en foutez, hein. Évidemment, c'est uniquement de mon côté. Tata, capturer le curseur. Voilà. Et... on va essayer de rendre ça... J'aimerais bien faire un truc plutôt joli pour que vous puissiez voir et comprendre tout ce qui se passe. Hop. Derrière le layout. Afin qu'on puisse voir la caméra. Hop. Ouais, c'est des petits points techniques que j'aurais dû briefer un petit peu avant de faire le stream. Malheureusement, je n'ai pas le temps parce que. Voilà. Du coup, je finis ce petit rapidement, liste capture. Et on va le mettre juste un peu la caméra. Voilà. C'est pas si mal. Vous me direz plus tard quand on passera sur Fox. Ça paraît pas mal. Great. Great. Donc, bienvenue, voilà, on arrive sur ce petit Fox. Donc, vous avez le lien qui est en haut. Lien foxwq.com. Quelque chose qui apparaît, on va le virer. Donc, lien très simple, hein, pour arriver sur ce site. Dessus, des news, plein de petites choses qui nous emmènent dans des endroits insoupçonnés de l'Internet. Et j'ai vraiment... envie de développer sur ce site parce que je comprends pas le chinois et d'ailleurs bah je vais remercier dès maintenant quelqu'un qui m'a aidé à pas mal traduire certaines petites choses du serveur. Merci énormément à Rui Pilio
qui m'a aidé à traduire certaines petites choses du serveur que je comprenais pas et que je vais pouvoir vous transmettre, j'espère, pendant ce petit Twitch. Donc, voilà, première page, on y vient, on rentre dans le sujet, Fox, première page, plein de choses en chinois et trois petites choses à la droite. Il y a le downloader pour PC qui va nous intéresser aujourd'hui, le petit QR code pour installer l'application sur son Android, ce qui est possible, et depuis peu, il y a aussi voilà ce petit logo. Qui va faire installer un petit logiciel pour les enfants. Il me semble qu'il n'est pas encore complètement traduit. Donc, avis à ceux qui ne parlent pas chinois, c'est difficile. Mais à ceux qui parlent chinois, ça peut être vraiment sympa pour les enfants. Voilà. Donc, quand on clique sur celui du PC, il nous amène à une page pour télécharger le soft. Donc, sur la droite, on voit l'application. Aussi pour l'Android ou iOS, donc, vous pouvez le télécharger parti. Le new c'est pour les enfants. À nouveau, on peut cliquer pour télécharger le point APK pour ceux qui savent ce que c'est qu'un point APK. En gros, c'est un installeur, mais pour Android, c'est pas un point exe, c'est un point APK. Voilà. Bref. Et donc, tac tac tac, voilà les instructions et tout le début. Donc, vous pouvez le traduire en français si ça vous tente. Mais bon, a priori, je vais essayer de vous donner un petit overview global de la chose. Le software download pour l'anglais, très bien. Et le programme, donc ça doit être, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom, mais c'est l'intelligence artificielle. On le verra un petit peu plus tard, de toute façon, quand on va ouvrir le serveur Fox. On verra un petit peu, j'ai oublié comment il s'appelle. Donc, voilà. Une fois que vous avez téléchargé Fox Wiki, vous avez. Hop, je vais faire apparaître notre display. Tac. C'est comme ça. Et il nous faut virer ces deux trucs-là. On va voir apparaître. Donc. Voilà. Une fois qu'on a téléchargé, on le lance, on l'installe, tout ça. Et on a cette fenêtre qui apparaît. Donc, voilà. Moi, je suis pour rien. J'ai déjà vu une paire de fois. Et bah, si vous n'avez pas créé de compte, vous pouvez faire Register qui va vous emmener sur une page, celle-ci, où il va falloir renseigner votre nom, votre email, tout ça. Donc vous avez fait la petite traduction à côté, qui peut être pratique. Nom d'utilisateur, nom anglais. Voilà, nom d'utilisateur, c'est le pseudo. Nom anglais, c'est nom. Email. Oui, parce que les Chinois peuvent avoir un nom anglais parce que c'est plus facile à prononcer. Ils sont pas obligés, je crois. Un email, un mot de passe, confirmer le mot de passe, un rang, trois segments, ça veut dire trois dan. On peut pas s'inscrire plus haut que trois dan. Hein, voilà. Pays de citoyenneté, tac tac tac, changer l'avatar, code de vérification et inscription. Voilà, c'est comme ça qu'on s'inscrit sur Fox et c'est très simple et ça fonctionne. Et je dis ça avec. Je dis vraiment, ça fonctionne parce que c'est assez agréable. J'ai essayé d'autres serveurs chinois, d'ailleurs, qui avaient. Je crois que j'en avais parlé quand j'avais parlé du serveur OGS. Mais le problème, c'est qu'ils envoient un code, un mail et tout. C'est un bordel. Il y a Yike Wiki, c'est super dur de s'inscrire. Donc je pense que je pourrais pas le faire dans cet univers serveur. Et il y en avait un autre que j'avais fait, il me semble, que j'avais montré quand j'avais parlé d'OGS, et pareil, il nous envoie un mail, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a mon chien qui fait des siennes, qu'il aboiera parce qu'il va rêver de temps en temps. Donc voilà, simple comme bonjour pour t'inscrire à ce site. Et une fois qu'on est inscrit, et ben, clac, on arrive sur. Fox, voilà, et c'est ce qui nous intéresse. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a plusieurs lines, voilà, et on a plusieurs serveurs, mais en fait, on en a qu'un. Je sais pas trop ce que ça correspond, mais en bref, on arrive dans Explore. Là-dessus, vous loguez et
un nouveau serveur s'ouvre à vous avec, comme je disais tout à l'heure, vraiment énormément de joueurs et joueuses. Donc, alors, ouais, actuellement en Chine, il est tard. On peut voir, hein, heure Chine, qu'est-ce que c'est quoi là? Heure en Chine. Il est, ouais, il est 2h du mat. Donc, en haut à gauche, on peut voir le nombre de connectés sur PC. Il y en a 10 000, enfin 8 400. Connectés sur téléphone, 5 000. Tout à l'heure, il y a 8 heures, c'est-à-dire qu'il était donc 13... Excusez. Non, il n'était pas 13 heures, qu'est-ce que je raconte. Il était... s'il est 1h30 en Chine, et que c'était il y a 8 heures... il était 16-17 heures par là. Il y avait 30 000 personnes de connectées, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui jouent Firefox. Je ne sais pas s'il y a tous les niveaux, parce que quand je suis arrivé la première fois sur Firefox, je devais être 3-4 dan de toute manière. Donc les niveaux les plus faibles, je ne sais pas si c'est s'il y en a beaucoup. On pourrait voir sur Hall. Voilà. On va voir tous les niveaux ici. Les niveaux les plus faibles, c'est 18. Voilà, des 18. Je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Voilà. Et FineArt, c'est le logiciel dont je parlais tout à l'heure. Bref. Donc voilà, cette page d'accueil, le nombre de connectés, des parties, un écran où il y a des parties, un écran où il y a un chat. Principalement chinois, hein, je redis, c'est un site chinois. À droite, on a les personnes qui sont loguées, les joueurs et joueuses. Un petit truc pour les parties que l'on veut faire, Apply Matchup, parce que ça veut dire exactement. Les annonces, là ça veut dire nouvel an, je crois, nouvel an, nouveau serveur. Voilà, c'est génial. Et on a une petite news, si on veut, news special. Voilà, ils ont appelé ça comme ça. Avec plein de trucs. Une sorte d'événement. Bref. Ok. Et en dessous, des petites news, des trucs de partout, de la pub, bref. À droite, encore un petit menu. Avec plusieurs choses, comme les tutoriels, les co-problèmes, les tasks. Et en haut, donc on peut quitter avec la croix rouge, ça on connaît, il n'y a pas besoin de faire un tuto là-dessus. L'IA, le compte donc pour changer le password, un bouton pour retourner sur la page d'accueil de Hotswiki. Ça doit être le skin qu'on peut. Ouais, on peut changer la couleur. Ouais, je l'ai mis en vert, très bien. Une FAQ, j'imagine. Télécharger. Et des paramètres. Donc on va commencer par les paramètres, à nouveau comme les dernières fois. Alors, voilà, faut savoir que sur ce stream, je parle, mais il faut pas hésiter une seconde à poser des questions. Hein. Ce stream, il a vocation à être mis sur YouTube et du coup pour faire un tutoriel, mais il faut pas hésiter à poser des questions qui pourront être utiles à n'importe qui. Ok. Oui, j'étais donc sur les paramètres. Voilà, cette fois-ci, on va commencer par les paramètres. On peut se mettre en proxy Hong Kong, England, Corée ou Japan. Peu importe, là, on est sur Hong Kong et on va y rester. A priori, je n'ai pas de connexion instable, donc ça me va bien. De toute manière, ça rejoint le même serveur à la fin. Le langage, on peut mettre en coréen, en japonais, en chinois ou en chinois, mais il y a probablement deux types de chinois que je ne connais pas, comme vous avez dit. J'ai fait traduire ça par Rui, qui m'a beaucoup aidé, mais moi je ne le connais pas. Animation, donc il y a de temps en temps des. Pour le betting ou pour le winless, des animations, on peut les activer ou pas. Il y a assez peu de. Ah, le son, c'est juste on ou off. Ouais. On peut mettre on pour voir. Afin de vraiment personnaliser tout ce qui est du son. Je vais assumer que tout le monde parle plus ou moins anglais ou comprend un petit peu friend, notification, focus.
Raid Envelope, c'est un truc qu'on peut envoyer avec des sous pour attirer les gens à nous follower ou autre chose. Bref, on s'en fout un petit peu. En tout cas, c'est clairement pas ce qui m'intéresse sur Fox. Game Request, Accept All Request, Decline All Request, Accept Game Request, from, Only From Same One. Voilà, donc vous pouvez accepter toutes les Game Requests. De toute manière, quand quelqu'un vous envoie une Game Request, vous pouvez à nouveau dire oui ou non. Donc c'est pas un gros problème. Vous pouvez decline si jamais vous êtes connecté mais que vous n'avez pas envie de tout le temps faire non, je veux pas jouer, je suis en train de regarder que Jay qui est en train de jouer, ça me passionne parce qu'il fait 40 secondes partout et paf, ça s'enchaîne. Là, vous déclinez. Ah, c'est chiant, il n'y a pas en français du coup, je m'attache au bon anglais. Bref. Vous refusez. Voilà. Et ce petit truc, c'était pas très très compréhensible. C'était refusé de quelque chose, mais je sais pas si c'était le Game Request ou pas. On savait pas trop. C'était mal écrit apparemment. Les messages, open your messages automatically. Donc, ouvrir les nouveaux messages automatiquement, de ne pas les ouvrir. De toute façon, personne ne m'envoie jamais de message, j'ai pas beaucoup d'avis sur Fox, malheureusement. Bon, je suis un vaurien. Greetings, ça c'est pour ajouter des petites phrases que vous pouvez dire au début des parties. On peut essayer add. Hello, how are you? Tac, have a nice game. On est très poli. Et il n'y a pas d'espace entre les points. Type sans add, voilà, et on le vire, et normalement je vais pouvoir le voir dans nos petits trucs custom settings. Hello, how are you? Have a nice game. Voilà, on peut l'avoir. Nickel. Voilà pour les paramètres. Maintenant on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans notre page d'accueil, hein, parce que ça nous intéresse aussi globalement. Donc première partie de fenêtre. Première partie de fenêtre, on a toutes les parties. Toutes les parties, mais genre vraiment toutes les parties. Donc ça va de joueur professionnel à j'allais dire moins fort, beaucoup moins fort, t'as du 17Q qui est là, avec des reviews, t'as pas mal de choses. On peut regarder les parties quand on clique sur bet où on peut parier, par exemple toutes celles qui sont ici. Si jamais je clique là, ici je peux parier avec le petit bouton qui est là, bet, qui nous emmène là-dessus, et je peux parier sur blanc ou sur noir. A priori là c'est terminé pour le bet. Finalement pas bet. Et je quitte la partie. Ensuite il y a les différents matchs. Bon, bien, c'est ce qu'on voyait juste avant. Even, match à égalité. Là, j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Even, ça veut dire les participants qui sont à mon niveau. Donc ça va être situé entre 3 et 5 dan, a priori. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de parties pour le coup. Bon, évidemment, si on était sur KG, si on aurait 3, là, ça fait beaucoup plus. Et broadcast, donc ça c'est les parties qui sont broadcastées. Malheureusement, une fois de plus, il est une heure en Chine ou en Corée. Donc les parties broadcastées, c'est pas trop à cette heure-là. C'est plutôt, par exemple, le soir à 1h, 2h du mat, il va y en avoir, parce qu'il commence à être la journée pour la Corée, par exemple, la Chine. Et puis en début de en matinée, en gros entre 1h et 10h, il y a des parties broadcastées. Voilà, ici, tout est terminé. Donc si on va sur la partie, a priori c'est la fin. Donc on va plus pouvoir faire des bêtes vu que la partie est terminée. Tac tac tac. Voilà, donc ça doit se terminer sur un abandon de bord ici. Ouf. Voilà, tout ça c'est pour la partie. Super. La partie chat, je vais pas dire grand chose. Ici c'est des enveloppes rouges, c'est si vous voulez envoyer aux gens des sous, des Fox Coins, parce qu'ils ont leur propre monnaie.
Comme j'ai dit auparavant, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse pour ce univers serveur, c'est vraiment comment jouer, comment review, comment quels sont les outils particuliers. Il va y avoir donc un petit truc pour bloquer tous les chats. Les chats de la location, c'est les chats de votre air, quoi, et d'Air France. Si jamais je mets location chat, je pense que je vais plus avoir aucun message. Donc je mets all messages, mais d'un côté je m'en fous un petit peu parce que je comprends pas. Le petit micro, c'est si vous voulez envoyer des records, enfin des enregistrements de votre son. Ensuite ça, c'est toutes les phrases préenregistrées. Et les émoticônes, c'est des émoticônes, voilà, basta. Je l'utilise pas beaucoup. Faites ce que vous voulez. Ensuite, la partie ici, c'est pour chercher des gens. Donc, par exemple, est-ce que, tiens, Isoka, est-ce qu'il existe Oui, il existe. Super. Il est troisième dan parce qu'il a pas beaucoup joué. Je pense qu'il serait 5 dan, 6 dan facile. C'est celui. Enfin, si c'est le Isoka auquel je pense. Et je vais le demander en friend. Paf. Un nouveau copain. Super. Je vais redétailler peut-être. Je peux ajouter friend en bas à droite, là, ici. Comme je l'ai fait juste avant. Je vais jouer la vidéo un peu plus doucement, ouais, si ça vous intéresse. Tac tac tac, ça je vais voir un petit peu après pour les profils. Mais voilà, on peut cliquer genre sur n'importe qui, on peut voir les personnes. On peut voir les personnes du même rang que nous. Donc là je suis 4ème dan par exemple et je peux voir toutes les personnes entre 5 et 3 dan si je descends. Là, ils se couchent tard les gens. Voilà, je peux voir les sites. Sarite. C'est les personnes qui sont sur le même drapeau que moi. Donc là il y aura Kubsabom, Terzani, Gaspacho, Fraclop. Putain, je les connais pas, Labda. Labda, je le connais. Labda, je l'ai déjà vu. Labda, il était sur mon atelier. Bravo, Labda, c'est un bon gars. Ouais, j'ai fait un atelier pour l'FFG, du coup, je suis content. Donc, il joue sur Fox, il n'a pas besoin de ce tutoriel. Enfin, peut-être, j'ai même découvert des trucs. Club. C'est des clubs qui existent, voilà, je. C'est pas où. Enfin, c'est avec ce petit icône, on peut créer un nouveau club, mais il faut voilà, être un upgrading member. Et je ne suis pas un upgrading member, parce que les gens upgraded, ils sont Cybermen, pour ceux qui ont la référence de Doctor Who. Et je ne suis pas un upgraded human, si, voilà, human. Et aussi les friends, voilà, donc tout le monde est absent. Mais ça, c'est tous mes copains. Indigo Ciel, je ne me souviens pas, mais c'est un bon copain, sans aucun doute. On peut voir d'ailleurs que. Quoi? Midoc? Ah ouais, je me disais, elle est pas 4 dan, elle est 6ème dan. Midoc est 6ème dan, voilà. Tout le monde le sait maintenant. Et oui, elle est assez puissante, cette madame. Toujours en progression. Vas-y, Dominique! Voilà, donc ça, c'était le petit point des participants et participantes. Ensuite, en dessous, et là, besoin d'aide. Ensuite, en dessous, il y a Fast Matching. Donc, si on clique, pouf, ça nous apparaît à quelqu'un. Choice, c'est justement pour ce Fast Matching. En fait, qu'est-ce qu'on veut comme setting? Est-ce qu'on préfère du 19 par 19 avec 1 minute et 20 secondes? Est-ce qu'on préfère du 19-19 avec 5 minutes et 30 secondes? Je crois que c'est 30 secondes x 3. Oui, on voit apparaître à droite. 30, ça doit être secondes. Et 3 périodes. 19 x 19 avec 20 minutes et 60 secondes. Et du 13x13 et puis du 9x9. Voilà. Donc, ça c'est pour le choix. Moi j'ai fait le choix du 20 minutes 60 secondes. Ça ne me ressemble pas du tout. On va mettre du 5 minutes 30 secondes. 1 minute 20 secondes. Ouais, faut pas déconner. Voilà. Et une fois que c'est fait, très bien. On clique ailleurs parce que si je clique en bas, cliquer en bas, ça va nous apparaître soit avec quelqu'un n'importe qui, soit ça invite quelqu'un, mais je ne sais pas trop quel est. Excusez la différence. Et donc, à nouveau, j'ai pas décrit, enfin, les rules de description, j'ai pas tout décrit. Vous voyez, un peu désolé. Mais ça va pas nous servir de toute manière, donc, désolé, mais pas trop. Voilà, donc, en dessous, donc,
Après, à la droite, il y a Apla Matchup qui va nous apparier à quelqu'un aussi. Hop, on annule. Eh merde, j'annule les déclarings. C'est quand les deux cliquent sur ça. On... Mais du coup, je ne sais pas exactement la différence parce que ça a à peu près la même. Enfin, ça va amener à la même chose, le Apply Matchup, le Fast Matching et le. Et quand je clique sur un des deux de choice. Ça veut a priori pas dire la même chose en chinois, mais au final, le résultat est à peu près le même de mon point de vue. Donc, il y a deux icônes. Donc celui qui est tout à droite, c'est ce petit chapeau, quoi. Ça indique l'humain, et en fait c'est human versus ordinateur, versus intelligence artificielle. Et nouveau, ça, mince, celui-là j'ai oublié. Voilà, nouvelle salle, pardon. Donc nouvelle salle, on peut faire une salle pour commenter, ou playing room, donc a priori playing room on peut. Commentary room, a priori il faut avoir des points, il faut faire remplir des quêtes probablement sur Fox. Je vais être un peu évasif parce que oui, je ne connais pas encore complètement ce serveur à cause de la barrière de la langue malheureusement. Mais on peut play une room, on peut faire une nouvelle room dans Joy. En privé, a priori on peut pas. Et on peut créer cette qui et inviter des gens, j'imagine. Tac. Donc, on peut decline match ici au lieu de le decline dans les paramètres. Ça peut être dans Game Request, decline. On va accepter finalement. Et pouf, ça va décocher le petit truc. Et ensuite, en dessous, coucou Camille! Bienvenue sur mon stream. Je suis en train de boire du mal qui a fermenté, c'est marrant, c'est pas de la bière. Donc en dessous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits onglets qui veulent dire pour celui-ci activité, pour celui-ci, ouais, j'ai mon petit bloc-notes compétition. Ensuite, nous avons les news en direct, avec toutes les news en chinois. Ensuite, nous avons les infos. Donc, c'est pas tout à fait des news, c'est des infos écrites par des gens, probablement des actualités. Les applications. Ça, c'est avec le chat, ça, c'est l'application iOS. Parce que vous pouvez la voir sur portable. Je peux vous montrer, elle est assez jolie. Je vais la sortir. Par contre, il faut avoir un compte WeChat de souvenir afin de scanner ce logo et pour se loguer avec son compte WeChat. WeChat, ça peut être un petit peu embêtant parfois. Il faut pas oublier son mot de passe, sinon il faut un copain. Bref. Tac. Et du coup, Fox, donc si je le mets là, c'est ce petit truc qui nous emmène sur une page. Voilà. Donc ça charge tranquillement. Qui nous demande de passer des appels téléphoniques. On n'a pas envie. C'est une appli qui est assez jolie et assez agréable à jouer parce qu'on tape et puis on confirme et ça se fait bien. Et il y a tout le temps, ils sont sérieux. Et il y a tout le temps des mises à jour, au secours, donc je suis sur une mise à jour, je ne sais pas où cliquer. Je vais arrêter de vous montrer ça. Ouais non, ça fait le petit problème. Mais du coup ce que je fais c'est que je supprime l'appli et je la réinstalle. Mais c'est pas l'idéal. L'idéal c'est de parler chinois de toute façon les gens pour ce serveur. Quoi qu'il arrive. Tac. Bref, on laisse l'appli pour plus tard, on revient au serveur. Donc on a vu tac l'application et à droite c'est une pub pour du thé rouge. Voilà. Petite pub.
qui va vous emmener probablement sur un des sponsors. Peut-être que ça change, je ne suis pas sûr. En tout cas, la dernière fois que j'ai cliqué, c'était du thé rouge. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore sur cette page? Les Game Records, Foreigner, Ranking, Shop, Tasks, Gros Problème, Tutoriel, Club, Switch Lounge, et en bas, des Fox Rings. Des... une partie du shop, donc je crois que shop et le petit diamant, ça emmène sur le même genre de page. Ok, on n'achète pas tout à fait les mêmes choses. Comme je vous disais, vraiment tout ce qui est affaire de thunes et tout ça. Qu'est-ce que c'est écrit, Camille? Machin Google, interdit à Google ici. Ouais, tout ce qui est affaire de thunes, je suis pas très intéressé. Même si c'est de la faux thune, c'est de la faux coin, je me complète. Du coup, là on peut aussi acheter des trucs. Mais vraiment, c'est pas là-dessus que je vais faire. Enfin, que je vais parler quoi. Désolé pour ceux qui sont intéressés, mais c'est pas ce qui va nous aider à jouer. Et c'est ce qui est jouer, c'est un petit peu le plus important pour moi. Ok, donc. On va aller de Game Records à Switch Lounge. Switch Lounge qui est un peu bizarre parce qu'il n'y a qu'un seul lounge, donc on va rester dans le même. Voilà, donc jusqu'à Club et encore. Et Game Records, ça va parler des games de pro, des mes games, qui ne sont pas des games de pro, ne vous trompez pas, attention. Donc ce sera rouge quand j'ai gagné et gris quand j'ai perdu, avec le nombre de coups globaux, le résultat. Et les settings quoi. Donc voilà, on peut en cliquant deux fois, on va arriver sur ma partie. Très bien, super. Pro Games. Ça va juste jouer, enfin ça va juste montrer les games des pros, enfin des gens qui sont au moins un P quoi, au moins un compte enregistré. Donc, on peut les regarder là. Il y a toutes les parties. Elles sont cool, ils ont mis toutes les parties avec les résultats. What the fuck, ça n'a aucun sens enfin. Wow. Search, si je mets users. Ah ouais, je peux chercher. Tiens, Widoc, si je mets ça. On cherche. Ah, incroyable. Ah, stylé. Je peux chercher toutes les parties de Midoc. Et le 7 mars, elle a encore gagné. Voilà, incroyable Midoc. Les Broadcasting Games, comme ça il y en a une paire aussi, hein. Putain c'est assez cool, je savais pas à quel point on pouvait chercher, et les Top Community Games, et une fois de plus c'est mieux de parler chinois, parce que par exemple j'ai regardé la partie commentée de Kudji, et donc dans le petit encart ici il y aura des commentaires, mais... Désolé, je parle pas chinois. Mais si vous parlez chinois, franchement, c'est une ressource qui est géniale, quoi. Hop, et hop. Allez, on se casse. Donc ça, c'était dans la Game Records. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. On peut toujours, dans Top Community Games, chercher notre liste favori de jeux de mots. Ah, on peut pas. Bon, on peut pas. Mais on peut chercher dans All Games. Fort bien. Ensuite, Fine Art. Fine Art, c'est... c'est l'intelligence artificielle chinoise qui se base sur AlphaGo quoi. Et du coup sur FineArt on va pouvoir voir trois choses. Ici des explications. On peut cliquer sur les parties pour avoir des explications de différents tournois. Bam, bam, bam. Check up ça. Ici, c'est les parties de Bibi, c'est les revues. Là il y a écrit revue en gros avec mes parties et les parties des autres. On peut aller chercher Midoc, tout ça. Ouais, une fois plus, Midoc. Ou alors qui est mieux, okay. Personne que c'est sur Fang, ce que j'ai vu les dernières fois. On peut aller dans mes parties afin de les analyser par Fox, Fine Art. En haut, il y a écrit mes parties, mes notes et les parties des autres que j'ai pu revoir. Et qui sont donc enregistrés parce que à chaque fois que je revois, j'utilise un point de revue, des points que je peux choper ici
Donc ici, ce sont les avantages. Donc dès que je me connecte, daily login, je peux récupérer un petit point que je vais récupérer ici. Tac. Non, j'ai 8 points. Ok, super. Hop là. Score usage details. Just. Ouais, sans doute. Et je peux accomplir un certain nombre de petites missions. Enfin, qui sont à peu près écrites. Celui-là, je crois que c'est gagner des parties. Il en faut. C'est bien. Ça motive un petit peu. Salut, salut Vral. Bienvenue sur le Twitch. Voilà, je fais découvrir l'univers de Fox avec une musique qui n'est pas trop changée. Oui. Merci pour ton follow. Ça fait plaisir. Check. Et là, j'en étais un petit peu à la partie, donc sur la droite, sur la page d'accueil avec Fine Art, et comment récupérer des petits points pour ensuite faire des reviews sur Fox, parce que c'est quand même intéressant après ces parties de cliquer sur le review. Et donc on peut voilà, récupérer quelques points avec ces différentes missions. Et en bas à gauche, il y a des choses pour inviter des gens. Bon, du coup, faut le chercher. Si je cherche Suler does not exist, on va chercher Midoc une fois de plus. Midoc, elle est là. Hein. Et on va confirm. Je ne sais pas ce que ça fait. J'ai aucune idée de ce que je viens de faire. Putain. Mais peut-être que j'ai gagné des points. Bref. Et get all, ça doit être justement quand par exemple le daily login il est fait. J'imagine que c'est à l'ère chinoise. Get all, ça va prendre le point qui est là. C'est pas trop de problème. Midoxidane, elle va pas comprendre non plus. Non, je sais. Peut-être qu'elle va rien se voir. Enfin, bref. Le ranking, ça va aller sur une page de Fox avec sûrement des gens qui jouent beaucoup et qui sont bien classés. Voilà, je ne suis pas très intéressé et je ne vais pas développer parce qu'il y a beaucoup trop de langage que je ne comprends pas et que je ne pourrais pas transmettre. Ensuite, le shop qu'on a vu rapidement, l'état, c'est un petit peu comme avantage, c'est des petites missions. Bien, peut-être de demander un ban. Oh merde. Non, c'était dans le formule, enfin le menu avantage pour récupérer des points pour Fine Art, donc je sais pas ce que j'ai fait, peut-être que je lui en ai même donné. Oh non, je banne Dominique, elle va me tuer, elle va brûler mon appartement. Au secours, au secours. Je ne veux pas de ça, personne ne veut de ça, surtout pas mes colocs. Nous n'en parlerons pas. Daily Rank. Et bah si, j'ai battu son compte Zidane, elle le remontera et puis basta. Donc les petites missions, afin de récupérer d'autres points, de je sais pas quoi. Il y a vraiment tout un truc, c'est bien plus poussé que Color Go Server avec les petits badges, c'est... Il y a énormément de choses à choper. Daily Consumption, 100 milliards de Fox Coins, moi j'en ai 200 000 je crois. Bon. Et l'historique... Ah ouais, j'ai eu 5000 Fox Coins, super. Et celui-là, je ne sais pas, c'est un résumé de tout que j'ai fait il y a les 7 derniers jours, probablement. Intéressant. Go Problems. Est-ce que ça vaut Flower Day, ces animations sont... Ah, je pense pas. Flower Day, c'est un des serveurs de cœur que j'ai. Voilà, dans l'intro, que je peux vous repasser. Bon, je vous la repasserai plus tard. Dans l'intro, j'ai un petit truc, les autres serveurs de Go, dans lequel je ferai un petit arrêt. Et Flyer Die, clairement, je ferai un arrêt dessus, faut pas déconner. Avec les pchis, j'espère que je l'imite bien. Mais ouais, c'est un bon serveur de cœur. Mais c'est vrai que CGS ont beaucoup bossé sur leur design. Je pense qu'ils se sont un peu inspirés de Flyer Die, faut pas déconner. Ne pleure pas, Camille. Et le 15x15, tout à fait. Mais sur d'autres serveurs, tu peux aussi... manager pour avoir des 15x15. Mais t'as pas que du 15x15 sur Flyer Die. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui car nous sommes super concentrés sur Fox et nous allons faire des Go Problems. Les Go Problems, ils nous amènent sur une page
où il y a voilà, un Goban et puis plein d'autres trucs. Donc on peut faire des problèmes de Tsuji par exemple et choisir notre niveau intermédiaire upfront. On peut choisir un problème de Tsuji comme ça. Et c'est à Black to Move. Et on va probablement faire une truc comme ça, non? Sinon, il n'y a pas. Non, c'était mauvais. Bon, bah, c'est pas grave, je suis pas là pour faire des Tsumego de toute manière. Ne m'embêtez pas. Ah, j'ai envie de le faire du coup, faites chier. Paf. Et. Paf. 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 Voilà. Non, mais. Désolé, quand je vois un problème, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà, histoire de capturer les pierres, super. Donc il y a tout un tas de trucs. C'est pas, je pense que c'est pas le meilleur endroit pour faire des problèmes, mais voilà, ça. À boire. Eh, santé. Tu veux que je boive quoi? Bon, ah bah non, je bois. Il y a des Tsumego sur Fox, ouais. Il y a de tout sur Fox de toute façon. Il y a même un Fox Fox Go serveur pour enfants. Donc il y a de tout, il y a de tout. Mais il est quand chinois? Putain, mais t'es sérieuse? Bral, ça me fait beaucoup du plaisir parce que moi aussi j'aime beaucoup le style doctoresque. Voilà, je fais des petits épisodes MP3 au début des streams et pour tout le design, c'est Camille Lévesque, Stonebound de Goban, qui a fait le design et c'est vrai que Kirker, sur toi, ça m'aide beaucoup parce que sinon il y aurait juste des petits trucs décorés avec des carrés et ça serait un petit peu moins joli. Donc merci. Voilà, donc pour les go problèmes, c'est très simple, hein, Life and Death, Elementary, et puis on clique, et puis on arrive sur le truc, on le fait, paf paf. Ouais, mais on se connaît, Bral, le dos droit, frais, mais t'arrives pour nous. À boire encore, mais je vais devoir faire une pause. Oui, je respecte les trucs que j'ai mis. Vrol? C'est qui Vrol? Mais vous moquez pas enfin. Bref. Go problème, on va s'en retirer. Tac, on appuie sur la petite croix et bye bye. Le tutoriel. Oh c'est Vral. C'est rigolo ça. Ouais, ça me dit un petit peu quelque chose. Mais je savais pas que c'était Vral. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs. Enfin, je vois pas le pourquoi en fait. Mais coucou du coup. Ça fait plaisir de te voir ici. Tu veux te mettre à Fox, ça y est. Et il y a un petit tutoriel voilà, pour quand vous voulez enseigner à un enfant le jeu de Go. Évidemment, tout est en chinois une fois de plus. Mais c'est hyper compréhensible, c'est-à-dire que là, faut juste cliquer sur une intersection et ouais, ils te disent bravo, tu as joué sur une intersection. De toute façon, tu ne pouvais pas jouer ailleurs. Ouais, non, c'est ça. Bah. Quick. Mettre mon message en avant. Et voilà, super, quick, Camille dit quick. Voilà, il nous enseigne un petit peu les bases, le nombre de libertés. Donc là, il nous demande le nombre de libertés, on peut dire 4. Je vous donne les solutions parce que c'est un peu difficile quand même. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, là, c'est pour capturer, où est-ce qu'il faut jouer. Donc ici, on peut capturer en A, très bien, bref. Capturer en A, ensuite en B, et puis ensuite en C, voilà. Oh. Et je vais vraiment faire une pause pour aller aux toilettes. Hein. Je suis désolé, mais. Voilà, il me donne à boire toutes les 10 secondes. Au secours, au secours. En même temps, je pense qu'il faut m'hydrater. Voilà. Les clubs, comme je l'ai montré tout à l'heure, bah, y a des clubs, une liste. Il y a des matchs, mais il faut être upgraded. Et j'ai pas de. Je ne suis pas upgraded. Si. Mon émoticône bientôt. Camille, si tu continues de poster des trucs, tu n'auras pas tes émoticônes malheureusement. Voilà, les voilà les émoticônes. Car il faut des points de chaîne. Et donc pour les clubs, je ne peux pas non plus aller un petit peu. Loin, le Switch Lounge, je ne peux pas. D'ailleurs, on voit que c'est un petit peu en gris, mais j'imagine qu'il faut payer. Et j'ai pas de compte payant. J'ai pas trop envie de faire ça, puisque il y a plein de serveurs et que de toute manière, c'est pas trop un problème.
de ne pas avoir de machin. De toute façon, l'idée c'est de jouer et de jouer rapidement. Et en fait, vraiment, quand on clique sur Pass Matching, voilà, j'ai levé le bras, je baisse le bras, je reprends ma souris. Tout le monde est en train de dormir, malheureusement. Du coup, ça met un petit peu plus de temps. Et pouf, je suis contre quelqu'un. Désolé, LXH21, je ne jouerai pas contre toi. Et je vais quitter par forfait cette partie. Excusez-moi. Voilà, donc c'est vraiment le serveur où on peut trouver quelqu'un de son niveau. Probablement entre 15Q et les meilleurs d'Europe. Très très facilement et très très rapidement. Donc allez sur ce serveur, c'est génial. Il y a ce serveur et Taïgem, pour moi c'est kiff kiff. Mais je crois qu'il y a encore plus de gens sur Fox. Vu qu'il y a plus de Chinois que de Coréens en fait. Donc il y a plus de gens sur Fox que sur Taïgem, bref. Voilà, voilà. J'ai fait déjà, ça y est, ouais, j'ai fait toute la page d'accueil. Ça a pris un petit peu de temps, mais ça y est, on y est. Ensuite, les profils. Le profil, voilà, on voit, vaut rien. Foxy Foxy World of Run, je peux changer ce petit machin. Ça ne veut rien dire, hein, mais... ma location, mon rating, mes front screens, level 2, je ne sais pas, j'imagine quand je les accumule, tout ça. On peut éditer... Si on est un upgraded player, mon avatar, et bah il y a un avatar aussi, je crois qu'il faut un petit peu moins. On peut devenir un membre, et puis il y a toutes les informations, peu importe. Il y a notre niveau, il y a nos parties gagnées-perdues, en total, à ce niveau-là. Yes. Ciao ciao, et bah merci, et à la prochaine, j'espère, ça pourrait être cool. Il y a les parties games, les games records qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, avec les victoires et les défaites. Juste en dessous de toutes les ronds et les croix qui disent si on a perdu ou gagné une partie, il y a 4W pour 1, machin pour 2, 10L pour 1, machin pour 2. Et les règles. Donc là, ça signifie que si je gagne encore 4 parties, je vais monter d'un niveau. Si je perds 10 parties, je vais descendre d'un niveau. Et de temps en temps, si jamais j'avais pas perdu autant de parties, et ben il y aurait dans 3 parties, je peux gagner 2 niveaux. Voilà, donc c'est pour ça que quand on arrive 3 dan, on peut arriver assez facilement à 5 dan. Parce qu'il faut farmer les victoires, quoi. Et il y a les règles des parties, quoi. Donc je vais pas bouger la souris, sinon ça c'est disparu. Mais en gros, voilà, entre 3 et 4 dan, sur 20 parties, si on a 15 de gagner, on va monter d'un niveau. 14, pardon. Et si on a 18 de gagner, on va monter de 2 niveaux. Si on a 13 de perdu, on va descendre d'un niveau. Et si on a 17 de perdu, on va descendre de 2 niveaux. Voilà, là j'ai pris l'exemple pour 3-4 dan, mais on peut se référer à n'importe quelle partie. Sur 20 parties, si jamais on est 16Q, sur pardon, 10 parties, si on est 16Q et qu'on en gagne 6, on va monter d'un niveau. Si on en gagne 8, on va gagner 2 niveaux. Si on en perd 7, on va perdre 1 niveau. Et si on en perd 9, on va perdre 2 niveaux. Voilà, c'est vraiment pas trop compliqué. Ensuite, si on est rendu à 9 dan, je n'espère pas arriver. J'espère arriver, oui, mais parce que je ne pense pas que ça va ici. Et bon, on peut avoir une petite couronne à ce qui. Voilà, ensuite, il y a tous les résultats à ce niveau-là, les résultats en Atarigo. Alors, je n'ai pas trouvé le truc pour jouer en Atarigo, mais apparemment, c'est quand on joue en Atarigo, donc il y a. Ça veut dire la pierre prise, quelque chose comme ça, le jeu de la pierre prise en gros. Et moi je n'ai pas joué à ça. Les parties rentes, les parties libres, la partie tournoi. Pour l'instant je n'ai rien fait de tout ça, donc vous voyez. Et les records, donc c'est un peu ce qu'on a vu là-haut, c'est le rating, stamina, evil stamina. Et Betting Fox Coins, c'est ce qui est là-haut, les Fox Coins. Soit.
Mais pas de plus, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà pour les profils. On peut regarder quelqu'un d'autre, hein. On peut regarder Chantola, c'est écrit pareil. Il y a un petit truc qui apparaît à droite de Friend, ici. Si on clique dessus, c'est pour qu'il devienne notre tuteur, notre guide, notre pédagogue. Voilà, donc je crois qu'il faut faire un certain nombre de choses afin de devenir pédagogue. Là, cette personne est quatrième dan professionnel et 9 dan. Elle a tous les attributs pour être un pédagogue. Enfin, un bon pédagogue n'est pas forcément obligatoirement dan professionnel. Hein. Il y a des gens qui sont entre 1 et... Enfin, il y a des gens qui sont même, peu importe le niveau, qui sont très pédagogues. Donc c'est exactement la même chose hein, sur chaque profil. C'est la langue, un petit truc écrit Mars. Bah peut-être qu'il est italien. Ça doit être ça. Voilà voilà. Et ensuite, bah, les parties, on va prendre une partie un peu au hasard. Une partie qui est en cours. Il y a quelques. Voilà, on peut changer un petit peu le goban, mais genre vraiment pas beaucoup. On peut mettre les numéros des pierres, on peut mettre les coordonnées. Les coordonnées qu'on voit pas très visibles, mais qui suffisent. Et en plus ou moins grand. Plus c'est pour supprimer lorsqu'on est en review les petits outils de review ici. Et on peut aller au coup numéro 10. Paf. On peut aller au coup numéro. Donc pour la navigation, c'est pas mal. Après pour la review, c'est il n'y a pas des. Enfin, là, vu que c'est une partie en cours, il n'y a pas d'outils de review. Pour nos parties, je vais charger une partie à moi, c'est plus simple. Games, c'est quoi ça? Ah, c'est les parties de tournoi. Donc, Epoch Records, charger ça par exemple, la dernière en date. J'agrandis. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'outils. On peut juste faire une séquence en fait. Là, on peut soit on n'a pas cliqué sur analyse et juste on navigue. Et soit on clique sur analyse et là on peut faire des séquences là voilà, je vois pas stop et on revient au truc de base. Il y a un estimateur Black 10. Ah ouais, cool. Il y a save, c'est pour prendre le SGF de la partie, print, pour imprimer en PDF il me semble. Donc il va m'ouvrir une fenêtre. Enregistrer le PDF n'importe où, bah, n'importe où, c'est dans partie amateur, soit. Et auto, c'est pour jouer les coups, ok, à une certaine vitesse. Ça fait une seconde par coup, j'ai l'impression. Pourquoi pas. Et à droite, un petit bouton pour dire. Je vais arrêter là. Stop, stop, stop. Ok. Ça c'est pour revoir la partie avec Fine Art. Et ah merde, bah du coup voilà. J'ai utilisé mon point pour revoir cette partie et pour voir un petit peu bah, apparemment. Voilà. Là si on regarde du point de vue de noir, au début il perd la partie, à un moment il regagne la partie, puis il repère la partie, et puis il regagne sur la fin en quelques coups. Le yossé c'est important les amis. Le yossé. Eh. Là je gagnais, soit là je perdais, bon peut-être, s'il le dit. On passe de blanc, bah c'est 1 moins le graphique d'avant quoi. 100% moins le graphique d'avant. Et on peut faire des. On peut chercher où est le coup de. Où est le coup de Fine Art à ce moment-là. Ah ouais, carrément, j'aurais dû jouer là, bon soit. Et s'il fait ça, il calcule la séquence, c'est intéressant. Et on voit, là j'ai une art 1 sur 20, c'est-à-dire que je dois pouvoir stop, je dois pouvoir ouais, en faire 20 du coup. 20 petites études, donc là il y en a un, ici. Ok, soit.
Pim bam boum. Donc ça c'est l'analyse fine art. On peut toujours mettre les coordonnées et mettre le numéro, très bien. Avec le petit save en SGF. Ouf. Intéressant, intéressant. Voilà. Donc ça c'est pour les reviews et les parties. Qu'est-ce que j'oublie? Les parties, le profil, fine art, accueil. Ben, je crois que j'ai parlé de pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? C'est quoi l'adresse? Est-ce que je trouve ça? Et puis ben ensuite, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire en fait. On peut voilà, mettre le son ou pas. On peut partager la partie, ça c'est assez cool. Je croyais que ça n'existait pas et en fait on peut partager la partie. Ils vont nous donner une idée et un QR code. Donc là si vous scannez ce QR code, vous allez retomber sur la page. Et là si je copie ce truc là et que je le mets sur une nouvelle page, je peux les ouvrir. Là il va rien comprendre évidemment. Mais, tac tac tac, je crois qu'il y a un lien qui est là, tac tac tac. Ouais, c'est un petit peu système D, j'aime beaucoup faire du système D. Donc on va faire du système D jusqu'au bout. Et on va faire tac tac. Et envoyer sur cette partie. Et a priori, si ça passe bien, il va nous ouvrir. Voilà, cette partie qu'on était en train de regarder juste avant. Donc ça, c'est assez cool. Chose que j'ai découvert pendant cette préparation de stream. Donc on va pouvoir naviguer tranquillement. C'était l'appli téléphone, donc voilà, on voit les choses se poser. C'est vraiment comme si on était sur un téléphone, quoi. Funky. Par contre, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a vite fait les infos de la partie. Hop là. Les deux personnes qui jouent, leur niveau et du son ou pas. Bon. L'estimation du corps et un petit chat. Enfin, voilà. Rien de plus. Le nombre de personnes qui est là. Ok. Et donc voilà, on peut partager nos parties quand on est sur Fox. Donc c'est cool. Enfin, si on veut en parler. Il y a le time settings qui apparaît là, il y a 10 bioyomi, encore, il y a 13 prisonniers, voilà, il y a tout ça. Les bioyomi ont l'air assez hardcore. 10 fois 60 secondes. Au secours, quoi, jamais je joue une partie comme ça. Voilà, pour Fox. En fait, je crois qu'il y a une bonne grosse partie de... qui a été traitée. Et ouais, il me semble que c'est à peu près tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'intéressera aussi d'avoir vos retours et puis de pouvoir vous apporter des réponses si vous en avez. Et s'il n'y en a pas maintenant sur le Twitch, a priori, je vais vous laisser aussi pour la soirée, après ce petit stream d'une petite heure et quart, même pas, une petite heure, tranquille. Et en espérant que vous voir sur ce serveur qui est vraiment le plus gros serveur mondial. Je pense qu'il est vraiment genre une dizaine de fois plus gros. Que KGS. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 30 000 personnes. Je pense que KGS, il n'y en a même pas 1000 à l'heure actuelle, sans vouloir faire du lobbying anti-KGS. J'aime bien KGS et c'est là-dessus que j'ai commencé. Mais si on regarde les petites statistiques sur KGS, vous inquiétez pas, il y aura un univers serveur dédié à KGS, mais il paraît qu'ils vont faire des petites modifications, alors j'ai hâte de ce qui se passe. Actuel sur KGS, il y a 787 joueurs. De fait, il y en a beaucoup. Beaucoup plus, et vous pouvez trouver beaucoup de gens.
sur Fox, clairement. Avec un style qui peut sembler particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui attaquent violemment. Comme je l'avais dit, je crois, dans un des streams précédents, tu vas avoir KGS. Avant, c'était considéré comme bourrin, maintenant, c'est plutôt considéré comme bon, ça joue plutôt propre, ça va. T'as Pandanet, où ça joue un peu chicken, mais vraiment bien les formes, c'est très esthétique. Et d'ailleurs, Pandanet est esthétique, hein, c'est l'un des serveurs les plus esthétiques que je connaisse. Et donc, t'as Fox, ou Fox Taijem, pour moi, c'est le même combat. Où ça se canarde. Voilà. Ça reste une généralité, il y a évidemment des exceptions à tous les niveaux, mais ça peut se canarder beaucoup. Voilà, là-dessus, je vais vous laisser, et puis profiter de votre soirée du dimanche, en espérant vous avoir apporté des petites clés pour débarquer sur Fox. Bienvenue dans le futur ici ou ailleurs sur l'un des autres serveurs dans notre cher univers.